Well, good afternoon, ladies and gentlemen. Also, because you are intimately familiar with the. What will it take to silence the guns? For one, we need to further strengthen and support key mechanisms to prevent and resolve conflicts, such as the African Peace and Security Architecture and the African Governance Architecture. But we cannot wait until tensions rise. The best way to silence the gun sustainably and successfully is to build durable peace. For that, we need to build societies in which all citizens, especially women and the youth, can fully partake. La prévalence des conflits au cours des dernières décennies a gravement affecté les efforts de l'Afrique de réaliser tout son potentiel en matière économique et de satisfaire les besoins croissants de sa population. Vous comprendrez aisément pourquoi l'Afrique souhaite urgemment faire taire les armes à l'horizon 2020. La nécessité de faire taire les armes en Afrique est reconnue comme un élément clé pour la réalisation d'un développement humain durable sur le continent dans le cadre de la stratégie de développement à moyen terme telle qu'énoncée dans la position commune africaine sur l'agenda de développement post-2015, mais aussi de la vision de développement à long terme inscrite dans l'agenda africain 2063. L'implication des populations et la protection des droits de l'homme.